Alors, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir qu'on continue la série des Facebook Live avec le Club d'investisseurs immobiliers. Et c'est avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui Maître Richard Damour, avocat fiscaliste au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Un homme qui sait rendre la fiscalité immobilière de façon intéressante par sa vulgarisation et sa passion. Salut Richard, comment ça va? Salut, ça va très bien. Merci de l'invitation. Un peu de pression que tu me mets de dire que on rend ça intéressant et facile. On va Le essayer. meilleur fiscaliste que j'ai jamais vu, en plus en vulgarisation, est absolument incroyable. Richard, j'aimerais ça diviser l'entrevue en deux segments. Premier segment, bon, il y a eu du chamboulement, hein, il y a de l'argent qui pleut, là, les hélicoptères passent au-dessus des villes, on lance de l'argent. Ça a des impacts fiscaux, certaines répercussions. Donc, on va peut-être parler de ça au début, puis ensuite, on va se diriger plus vers des sujets que tu vois plus fréquemment dans ton cabinet. Si les gens ont des questions, allez-y, mais on va essayer de respecter un horaire assez strict aujourd'hui. On devrait finir vers 12h30 pour respecter, évidemment, l'horaire de Richard. Donc, pour commencer, Richard, report d'hypothèque, tu avais quelque chose à mentionner aux investisseurs à ce niveau-là? Oui, moi-même, je l'ai fait, hein. J'ai appelé mon banquier pour pouvoir retarder et le paiement de capital et le paiement d'intérêt. Mais si on regarde au niveau du report du paiement d'intérêt, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne serez pas en mesure de déduire cet intérêt-là. Parce que si on regarde l'article de loi 21C sur la déductibilité des intérêts, ce qui est dit dans le préambule, c'est qu'une somme doit être payée au cours de l'année ou payable dans l'année. Donc, en reportant et en ajoutant cette somme-là sur le capital, il faut comprendre qu'on n'aura pas la déductibilité de l'année, elle ne sera pas une dépense courante. Donc, c'est bien de le reporter, mais il faut comprendre ce qui arrive au niveau des conséquences. OK, merci Richard. Effectivement, en passant, juste pour dire un point là-dessus, je sais qu'on a reçu des courtiers hypothécaires et on a même reçu la SCHL qui nous ont dit que ces reports-là n'avaient pas d'impact. Et sans le nommer, j'ai un courtier hypothécaire qui a communiqué avec moi, un bon ami, et ils m'ont dit que dans un dossier SCHL, un nouveau dossier SCHL, la SCHL a demandé si le propriétaire avait fait des reports d'hypothèque. Donc, juste faire attention, on dit que ça n'a pas d'incidence sur le futur, les futurs investissements, mais je voulais mentionner ça parce que ça a été vraiment mentionné, demandé par la SCHL s'il y avait eu des reports de paiement. Donc, est-ce que ça va affecter un peu, La Richard? question, c'est est-ce que ça a été pris en compte dans le calcul? Tu sais, en tout cas, à mon point de vue, puis là, on déborde de la fiscalité, Oui, mais oui, oui. pour moi, la pandémie, c'est une question de liquidité. Il fallait que les gens aient les liquidités. Puis regardons toutes les mesures mises en place par le gouvernement. C'était pour assurer que les gens aient des liquidités pour être en mesure de faire face à cette baisse de rémunération, puis à cette économie qui est arrêtée. En immobilier, on a moins d'impact, mais dans les entreprises, il y avait des impacts énormes. Effectivement. Et on débordait de la fiscalité. Je voulais juste envoyer le petit message comme quoi que c'est pas considéré officiellement, mais il avait posé la question quand même. Ensuite, la prestation d'urgence, le 2 000 $, il y avait des gens qui se posaient la question au niveau des dividendes. Si j'étais payé au niveau des dividendes d'une entreprise, est-ce que j'avais le droit d'y avoir droit? Ouais, ça se dit-tu, ça? Ben, Oui, au début, quand ils ont sorti le programme, là, ce n'était que salaire revenu d'entreprise. Il fallait avoir une perte. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, qui se payaient par l'entremise de dividendes et ils sont venus corriger l'aspect. Donc, oui, le dividende peut être tenu compte au niveau de la PCU. Cependant, hein, parce que ça, c'est un des programmes. L'autre programme, c'est la subvention salariale. Puis au niveau de la subvention salariale, là, le dividende tient pas parce que ça prend vraiment un salaire. Il faut avoir payé un salaire dans l'année, surtout si on est une personne liée. On ne peut pas arriver puis dire, je n'avais pas de salaire, la pandémie arrive et là, je commence à me verser un salaire et je demande la subvention salariale. Ça ne fonctionnera pas. OK, parfait. Dernier petit point sur la pandémie, ça va vite parce que des clarifications sont faites. On parlait du commercial, des revenus commerciaux au niveau du programme gouvernemental.
Peut-être juste l'expliquer. Je sais que, qu'on est dans le détail, on est encore en train de l'étudier, mais si tu avais des détails à partager au niveau des Oui, ce qu'il investissements. faut comprendre, hein, c'est que ça prend une baisse de revenus. Il y a plusieurs critères. Baisse de revenus de 70 % hein, du locataire. Ça prend également un loyer maximum de 50 000 par année. Et là, le programme fait en sorte que le locataire va payer 25 %. Le gouvernement va faire un prêt de 75 % et il y a 50 % qui va tomber en subvention. Ce qui veut dire, en bout de piste, le propriétaire assume 25 % du loyer, le locataire assume 25 % du loyer et le gouvernement n'assume 50 %. Mais comme je vous dis, il y a des critères de rentabilité. J'ai moi-même des immeubles commerciaux, puis il y en a deux où j'ai dit, ben vous allez me sortir des états financiers parce que moi, je vais avoir dans mes dossiers des preuves, okay, que ces revenus-là, il y a vraiment eu une chute de revenus parce que sinon, ça va faire en sorte, si je n'ai pas droit à la subvention, ben, je vais perdre 75 % du loyer et pas 25 % du loyer. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi que tu acceptes de faire ça? Ben, pour moi, certains locataires, je me dis que si on ne fait pas ça, on va perdre le locataire et on va avoir un local vide pendant combien de temps? Fait que, Exact. il perd 25 % sur 3 mois, puis garder son locataire parce que ça lui permet de refaire les choses. Moi, je pense que ça peut être un fair deal. Je suis entièrement d'accord avec toi, Richard. Je le disais même, j'avais déjà commencé à prendre des arrangements avec mes locataires commerciaux avant qu'on donne ça. Tu sais, en fait, on se trouve à perdre trois quarts d'un loyer, 3 fois 25 %, trois quarts d'un loyer versus un loyer vacant qui va être vacant un bon bout de temps. Spécialement avec les difficultés commerciales, là, est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de vacances qu'avant dans le commercial en plus? Donc, effectivement, moi, je pense que c'est une perte à assumer. Oui. Je vois qu'il y a une question, il y a une précision qui m'est demandée, OK, en disant que l'intérêt, si ce n'est pas une dépense courante, ça va être quoi? Hein? François nous C'est demande François. ça. Ben, ça va être une dépense qui va être capitalisée. OK? Donc, parce que finalement, ça ressemble à ça, c'est un prêt que tu as eu, que tu vas rembourser plus tard. Donc, dépense capitalisée. Parfait. Justement, sautant, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur les subventions, Richard? Non, moi, je pense que ça fait le tour. Ce qu'il faut regarder aussi, les délais, hein? Beaucoup de délais qui ont été reportés, délais de paiement d'impôts, de TPS, TVQ. Donc, suivez ces éléments-là parce que ça donne encore là des liquidités pour passer à travers. Guylaine qui posait la question, Richard, je pense que c'est exactement ce que tu voulais parler dans l'entrevue. Hein? Est-ce que c'est mieux d'avoir un parc immobilier personnel? La question qui tue. Je t'écoute. Je t'écoute. Guylaine, excellente question. Et je n'avais justement parlé avec Jean-Philippe. Pourquoi? Parce que c'est la question qui m'est le plus posée. Et là, ce que je vous dirais, il faut faire attention, OK? Parce que la fiscalité évolue toujours. Et ce que je dis aujourd'hui, peut-être que dans un an, dans 2 ans, ça ne sera plus le cas. Je me souviens quand je suis arrivé au club et que j'ai commencé à parler avec M. Lépine, de dire, bon, ben moi, je vais indiquer aux gens d'acheter de l'immobilier dans des compagnies. Et là, M. Lépine me disait, ben non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a eu la taxe sur le capital et c'était plus coûteux de détenir les immeubles par l'entremise d'une compagnie. Après ça, bon, et c'est venu en sorte qu'il y a un principe fiscal. Hein, qui s'appelle l'intégration. Et en théorie, puis vous allez voir pourquoi je dis en théorie, si je gagne mon argent personnellement ou si je la gagne par l'entremise d'une société et que je me la verse après, en théorie, je devrais payer sensiblement le même impôt. Et ça, c'était vrai jusque dans les dernières années au niveau du revenu de biens, donc hein, des revenus de loyer. Là, on ne parle pas de revenus d'entreprise, on parle de revenus de biens, du revenu passif. Donc, depuis quelques années, il y a un phénomène qui s'est produit. Les autorités fiscales ont diminué le taux d'imposition sur le revenu d'entreprise à petit taux dans une compagnie et en contrepartie, ils ont augmenté le taux sur le revenu de dividende.
Pour quelqu'un qui gagne du revenu d'entreprise au petit taux, ça ne change absolument rien. On gagnait, on payait moins d'impôts dans la compagnie, on en payait plus personnellement. Ils ont baissé ce petit taux-là, taux sur le dividende a augmenté. La problématique de ça, c'est que le taux sur le revenu de biens n'a pas baissé au même rythme que le taux sur le revenu d'entreprise. Ce qui fait en sorte que je vais payer mon impôt sur le revenu de biens, je vais me sortir un dividende et là, mon taux sur le dividende a augmenté. Ce qui fait en sorte qu'en bout de piste, j'ai une sous-intégration. Ça me coûte plus cher gagner mon revenu de bien par une compagnie que de le gagner personnellement. Je vous donne un exemple. Parlons de quelqu'un qui est au taux marginal, au taux le plus haut. S'il gagne 100 $ de revenu de bien personnellement, il va payer 53 $ d'impôts, il va lui en rester 47,70. S'il le gagne dans la société, une fois l'impôt de la société payé et l'impôt personnel payé, il va lui en rester 42,50. Donc, 5,20 de moins. Là, vous allez me dire, OK, mais ça, c'est parce que c'est au gros taux. Prenons un taux qui est le taux moyen. Hein, quelqu'un qui gagne 60 000. Bien, le 100 $ qu'il va gagner dans sa compagnie va lui rester 57,46 après l'impôt de la compagnie et l'impôt personnel. Et s'il le gagne personnellement, il va lui rester 62,88. Ce qui fait en sorte que le taux d'imposition, si je suis au taux marginal, au lieu d'être 53,3, si je passe par la compagnie, je me retrouve à 57,5. Donc, 4,2% de plus. Et si je suis au taux moindre, au lieu d'être à 37,12, je me retrouve à 42,54. Et là, on est à 5,32 de plus. 5,42 de plus. Donc, à la base, gagner le revenu de bien dans une compagnie coûte plus cher. Ça ne veut pas dire que je n'utilise jamais des compagnies. Il y a des temps où je vais dire oui, on va utiliser une compagnie. Mais il faut avoir une raison. Je vous donne un exemple. Si je gagne mon argent déjà dans une compagnie, je n'irai pas sortir l'argent, me taxer dessus pour acheter de l'immobilier personnellement. Je vais laisser ça dans une structure corporative parce que je vais avoir plus de liquidité. Je vais avoir payé moins d'impôts sur le revenu gagné et ça va m'en faire plus à investir. Auquel cas, là, je vais être prêt à payer une surprime d'impôts sur mon revenu de bien. Et là, il pourrait y avoir plusieurs situations où on se questionnera à savoir si c'est mieux ou pas. Donc, on peut en élaborer quelques-unes. Quelqu'un qui est déjà à 53,3, bien, peut-être qu'il va faire le choix de le mettre dans une compagnie. Pourquoi? Pour payer 50 upfront, donc en payer moins tout de suite, parce que le revenu de bien dans une compagnie va être taxé à 50,17. Donc, d'en payer moins tout de suite en sachant qu'il va en payer plus tard, mais peut-être aussi en sachant que plus tard, mais qu'il sorte des dividendes, son revenu va avoir baissé, donc sa surprime va être moindre. Donc, il y a des éléments comme ça qu'on peut travailler pour arriver à décider si on achète par une compagnie ou pas. Si on a des problèmes au niveau de financement, parce que des fois, il y en a qui achètent des plus petits immeubles, puis là, leur courtier dit, bien, personnellement, je ne peux plus te financer, va dans une compagnie. Et là, on va accepter en toute connaissance de cause hein, de payer un peu plus d'impôts. Moi, j'ai tout le temps dit, la fiscalité doit être la servante de la business et non sa maîtresse. Dans le sens que il ne faut pas que la fiscalité dicte comment je vais faire les choses. C'est, je suis là pour faire de la business, puis après ça, je vais essayer d'amoindrir la fiscalité. Mais si je suis pour ne pas faire de la business parce que ça va me coûter 4% de trop d'impôts, bien, je pense qu'on fait fausse route. Je suis d'accord. Richard, la question qui va venir, on a vu tes présentations, bien sûr, mais la question qui vient, mais qu'en est-il des vices cachés?
Souvent, les gens vont vouloir se protéger en compagnie, mais au niveau des vis cachés, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, le vice caché, la question est la suivante, OK? Puis là, on peut avoir plusieurs philosophies par rapport à ça. Est-ce qu'un vice caché peut arriver? Oui. Okay. Est-ce qu'une compagnie va nous protéger complètement? Non. Pourquoi je dis non? Parce que, en quelque part, quand j'achète un immeuble dans une compagnie, la question, c'est est-ce que ça va être le seul immeuble que je vais avoir d'une compagnie? Première question. Parce que si j'ai 20 immeubles dans une compagnie, et c'est un peu ma philosophie parce que moi, je pense que tout notre immobilier devrait être regroupé afin d'avoir une optimisation fiscale. Puis la perte sur un immeuble, parce que j'ai fait des travaux cette année, vient compenser le gain sur un autre immeuble. Bien, si je vends un immeuble qui a un vice caché et que la compagnie se fait poursuivre, bien, tous ses autres biens, hein, tous les autres immeubles, bien, ils sont, entre guillemets, à risque. Bon, là, il y en a qui vont dire, OK, mais je vais mettre un immeuble par compagnie. OK, on perd l'optimisation fiscale. Le deuxième point, c'est que vous allez payer une prime importante parce que, imaginons, puis je donne tout le temps l'exemple, si vous avez 10 immeubles dans 10 compagnies, que votre comptable vous charge 2000 $ par compagnie pour faire les états financiers, puis que vous gardez ça pendant 10 ans, ça vient de vous coûter 200 000 de comptable au lieu de, possiblement, peut-être 4 000 pour la compagnie pendant 10 ans, 40 000, vous avez payé une surprime sur le coût d'état financier. Ça peut nous permettre de faire face à des vis cachés. Et même alors, si j'ai un immeuble par compagnie, que je le vends, que je fais un dividende de liquidation, il peut avoir une responsabilité de l'actionnaire jusqu'à concurrence du dividende de liquidation. Il faut bien faire les choses. Fait que, oui, Jean-Philippe, pour répondre à ta question, le fait d'acheter dans une compagnie permet de faire une différence entre la responsabilité à l'égard de tous mes biens personnels et ceux à l'égard des immeubles, mais ça devient un choix, puis ça devient une question de tolérance au risque. Est-ce que les gens sont prêts à payer plus d'impôts pour avoir cette protection-là au cas où, éventuellement, peut-être, j'aurai un vice caché? Et là, c'est sûr que ma philosophie n'est pas la même quand on parle de flip. OK? Parce que le flip, tu as plus de risques d'avoir des vis cachés parce que ta détention est pas longue et tu en fais plusieurs. Et là, je comprends qu'on se protège différemment. Intéressant. Si on poursuit, là, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui défilent. Si jamais il y en a une qui t'interpelle particulièrement, Richard, que tu veux répondre, fais juste me donner le nom, on va la mettre à l'écran. Je vais essayer de regarder vite pendant que tu me jases ça un peu. Pendant que je te jase ça un peu. Là, on a parlé évidemment d'achat en compagnie. Je vois que dans les questions, il y en avait quelques-unes qui étaient plus personnelles. Là, c'est sûr qu'on ne rentrera pas dans une consultation publique à 200 personnes sur un live. Mais si jamais vous pensez qu'il y a quelque chose de pertinent, genre, il y en a qui étaient boule de cristal un peu. Si jamais, Richard, tu veux te lancer dans boule de cristal. Mais sinon, on avait parlé en pré-entrevue, Richard, de... T'en avais-tu une que tu voulais... Ben, j'ai vu, il y en a un qui parle de fiducie. Je vais glisser quelques mots, là. Marc-André Lachance dit « Qu'en est-il d'une fiducie pour le maintien de biens immobiliers? » La fiducie pour le maintien de biens immobiliers, oui, on peut l'utiliser, pourrait servir de, entre guillemets, de protection d'actifs et en même temps d'avoir le revenu personnellement en se l'attribuant. La problématique qu'on a, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, OK, faire les achats avec la fiducie parce qu'il faut savoir est-ce que c'est une fiducie de protection d'actifs, auquel cas, c'est relativement, ça peut relativement bien se faire, mais quand on parle de fiducie familiale, il faut faire attention, on ne peut pas faire de prêt, il ne faut pas venir contaminer la fiducie. Donc, on ne peut pas injecter de l'argent dans la fiducie. Donc, il faut agir de façon assez disciplinée avec la fiducie. Souvent,
Quand on va avec une compagnie, hein, une des raisons des fois que je vais utiliser une compagnie, c'est pour faire un gel successoral. Et oui, là, on va mettre une fiducie, mais qui ne détiendra pas nécessairement les biens immobiliers, mais plus les actions de la compagnie. Donc, c'est ça, c'est dans un but de transférer à une prochaine génération. Mais il faut comprendre, quand on fait ça, hein, on lègue un fardeau fiscal à l'autre génération, mais on lègue aussi des immeubles. Intéressant. Parlant de, donc, si on revient à nos sujets qu'on avait discutés un peu en pré-entrevue, Richard, au niveau de la compagnie, donc on parle d'achat personnel ou en compagnie, mais qu'en est-il si le vendeur a une compagnie et on veut acheter sa compagnie? Je pense que c'est un sujet très, très chaud là, en ce moment. Ça, tu vois, la première question qui m'est posée souvent, c'est est-ce que je devrais acheter par l'entremise d'une compagnie? La deuxième, c'est est-ce que j'ai un avantage ou est-ce qu'on pourrait bénéficier de l'achat des actions d'une compagnie qui détient un immeuble? Et là, ce que je dis, c'est oui, c'est une stratégie intéressante, mais il faut savoir comment manœuvrer avec. Pourquoi je dis il faut savoir comment manœuvrer avec? Parce que quand on achète des actions, première des choses, le coût ou le prix de vente d'un immeuble ne sera pas le même que le prix de vente des actions de la compagnie qui détient l'immeuble. Il faut être en mesure de venir calculer ça parce qu'on est en train d'assumer l'impôt latent, donc l'impôt accumulé sur l'immeuble. Il y a des désavantages et il y a des avantages. Un des avantages, souvent, c'est qu'on va être en mesure de sauver les droits de mutation. Pour un immeuble qui vaut 300, 400, 500 000, c'est une chose. L'avantage peut être minime, mais quand on parle d'un immeuble qui vaut 5, 10 millions, bien, ça est intéressant. Donc, on peut s'y pencher. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas juste faire une offre d'achat qui dit « je vais acheter tes actions à tel prix ». Parce que si vous faites ça, vous venez de perdre toute garantie. Hein? Quand on achète les actions, je vais acheter tout le passé de la compagnie. Donc, comment que les gens sont venus traiter leurs dépenses? Est-ce que les autorités fiscales pourraient revenir et émettre un avis de cotisation pour des années où on n'était pas là? Et si on n'a rien prévu dans notre contrat, on va en être responsable. Au même titre, quand on achète un immeuble, bien, la loi prévoit que, sauf si on l'exclut, la garantie sur les titres et la garantie de qualité est donnée par le vendeur. Donc, le vendeur nous garantit qu'il n'y a pas de vice caché. Quand j'achète les actions, qu'est-ce qu'il me vend? Bien, il me vend des actions et non pas un immeuble. Donc, ma garantie de qualité, elle s'applique sur quoi? Sur les actions. Ce qu'il faut faire, finalement, c'est de s'assurer de mettre conventionnellement les garanties qu'on aurait eues si on avait acheté l'immeuble. Il faut se mettre dans la même place, okay, que si j'avais acheté l'immeuble et que le vendeur reste responsable de son passé et que si c'est une vente sans garantie légale, fine, on va mettre les clauses en conséquence. Mais si la garantie légale doit s'appliquer, bien, il faut la transformer en garantie conventionnelle. Donc, il y a des avantages, mais il faut être capable de bien manœuvrer avec ça. Moi, je peux vous dire, c'est tellement d'actualité que plusieurs courtiers m'en parlent. Hein? Puis ils disent, gars, moi, j'ai un immeuble à vendre et on se fait offrir d'acheter les actions. Comment qu'on agit là-dedans? Bien, oui, il va falloir probablement faire une modification en disant que les parties ça se donnent un délai pour négocier l'achat des actions et qu'une nouvelle offre va venir remplacer l'offre sur les immeubles. Ça, en plus, c'était juste pour ajouter à ça, c'est un merveilleux cours qu'on avait reçu à la semaine des millionnaires dans lequel on écoutait en gougoune. C'était magnifique. D'ailleurs, tu avais une petite feuille Excel aussi qui faisait les calculs, donc ça avait été vraiment apprécié comme formation. Richard, je veux respecter ton temps. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais rajouter, une autre question que tu voulais mettre? Sinon, peut-être un mot de la fin sur les gens poser des questions. Comment tu penses que le gouvernement va rembourser tout cet argent-là, le futur de l'immobilier? Écoute, à toi le mot de la fin.
Comment les gouvernements vont rembourser tout ça? Ça, je me pose sincèrement la question. Mais tu sais, en quelque part, j'ai souvent été contre les programmes gouvernementaux, mais je pense qu'on était dans une situation un peu hors du commun. Je pense qu'ils ont relativement bien agi. Où j'ai plus de bémol, et là, les étudiants ne m'aimeront pas comme mes enfants. La PCUE, j'ai un peu plus de misère dans sa philosophie. Mais j'entrevois pas à court terme de hausse d'impôts. OK? Je m'attends pas à ça parce que je pense que ça passerait pas à court terme. Et là-dessus, en tout cas, je suis pas devin, mais. Et en plus, les gouvernements vont avoir à investir dans des infrastructures. Et il va y avoir encore plus. Fait que comment qu'ils vont rembourser, je ne sais pas. Je serais bien curieux de le savoir. Parce que Inflation, tu penses? si Oui, j'étais devin, je pourrais déjà préparer les futures formations. Mais ça, je ne l'ai pas. Inflation, tu penses que ça va affecter? Je sais que Jacques, il nous parlait beaucoup d'inflation. Où est-ce que les machines à billets vont commencer à réimprimer? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur au niveau de l'immobilier, au niveau de l'inflation ou, Moi, écoute, Jacques est mieux placé que moi pour parler de ça. Mais tu vois, je suis en train de négocier des baux présentement pour des locataires. Et ce que j'essaie de faire, moi, c'est de dire, bon, ben oui, on va prévoir un loyer et on va augmenter le loyer de l'IPC, mais en capant, exemple, à un maximum de 3 % par année. OK. OK, donc ça, c'est ma façon de venir protéger les clients en disant, bon, ben, si il n'y a pas d'inflation parce qu'on est en récession, ben, je ne veux pas avoir un taux fixe, mais d'essayer de le caper au cas que ça commence à s'envoler. En beaux commerciaux, là, juste Oui, préciser. on Oui, s'entend, on s'entend. Je beaux parle de beaux commerciaux. commerciaux. Résidentiel, évidemment, négociation de gré à gré, puis sinon la régie. Yes. Futur de l'immobilier en 30 secondes, c'est quoi Moi, ton je avis? crois toujours à l'immobilier. Le résidentiel va continuer. Je pense qu'il va continuer à avoir des nouveaux immeubles qui vont se construire. Où j'ai un peu plus de crainte, c'est le commercial au niveau du détail, parce qu'il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, ont réalisé qu'ils pouvaient faire beaucoup de ventes via Internet sans avoir un plancher. On verra. Dans mon commercial, moi, je suis content. J'ai pas beaucoup de détails. Fait que je me dis. Mais tu sais quoi? Avant la pandémie, c'était déjà dans mes préoccupations de dire acheter un immeuble commercial où il y a beaucoup de magasins de détail, ça m'intéressait pas et ça s'est accentué. Ah, c'est absolument. Je suis d'accord avec toi. Même chose pour moi. Commerce de proximité, toujours mieux. On va toujours avoir besoin d'un coiffeur. En tout cas, Amazon n'est pas dans le coiffeur, n'est pas dans les coiffeurs encore. Ouais, mais moi, je suis une exception, hein. J'ai pas besoin de coiffeur. Ouais, moi c'est le contraire, là. Ça commence à pousser. J'ai hâte d'aller au coin. Hey, on a eu plein de messages, Richard, plein d'amour qui a été reçu. Les gens disaient que c'était trop court, mais écoute, on respecte le temps, évidemment. Richard est en formation toute la journée, en meeting toute la journée, donc on veut respecter son temps. Mais est-ce qu'il y a possibilité d'avoir ces commentaires-là en quelque part? Oui, ils vont être. En fait, les commentaires vont être sur la live Facebook. J'imagine que tu vas vouloir les commenter éventuellement. Ben, peut-être, je vais peut-être prendre le temps avec une petite coupe de vin là, plus tard ce soir. Ça fait des réponses plus relaxes. Oui, absolument. Absolument, Richard, ils vont être disponibles dans le fond sur le live Facebook, les commentaires. Je m'assurerai que tu les as, comme ça tu vas pouvoir répondre si jamais il y a besoin. Hey, Toujours. merci à tous, merci au club. Puis je pense que tous les investisseurs sont en de bonnes mains avec le club. Merci Jean-Philippe, merci Yvan, puis merci à tous les coachs. Cool. Richard, merci. Je finis juste au niveau du club. Je vais juste vous dire que demain, jeudi, on a une entrevue en anglais avec Terry, une coach du Real Estate Investors Club. Et vendredi, on est très content, on reçoit Sana, hein, cofondatrice de PMML, sur le mindset.
On sait que Patrice et elle ont un mindset de feu et en temps de crise comme ça où ça a brassé pas mal, on les a vus là, ressortir du lot. Fait qu'on va discuter c'est quoi un bon mindset, les petits trucs. Donc, ça va être hyper intéressant vendredi sur la page Facebook du club. Sur ce, je vous laisse. Merci encore, Richard. Et on se revoit vendredi du côté français, jeudi du côté anglais.